je me suis soumis à deux reprises au suffrage des Françaises et des Français. Alors j'entends tout ce qu'on dit sur ma pomme, on le disait il y a 2 ans, il se trouve que je suis allé aux élections qui m'ont tout de même choisi, donc ça ne doit pas être si terrible que certains le décrivent. Après qu'il y ait des ambitions personnelles des uns et des autres qui soient contrariées par les moments actuels, j'ai compris que Mme Le Pen voulait rejouer la présidentielle en disant que si elle faisait un débat avec moi, il fallait ensuite que je démissionne. Je l'invite à relire la Constitution de notre République. Donc non. Moi, ce qui m'importe, c'est dans le moment que nous vivons, notre responsabilité, c'est de dire quelle est la conséquence pour nos compatriotes. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est de dire si le Rassemblement national venait aux responsabilités, alors que deviendraient vos retraites? Ils ne sauraient pas les financer, donc elles vont baisser. Si le Rassemblement national venait aux responsabilités, que deviendraient vos prêts immobiliers? Ils vont flamber parce que les taux flamberont. Si le Rassemblement national venait aux responsabilités, là vous n'auriez pas de problème à vous poser sur l'ORTF ou l'audiovisuel public parce qu'ils veulent le massacrer. Si le Rassemblement national venait aux responsabilités, qu'est-ce qui se passerait pour nos valeurs, pour nos compatriotes binationaux, d'origines diverses, vivant dans les quartiers? Et la réponse à cela n'est pas le communautarisme, elle est la République et son universalisme. C'est ça la question d'aujourd'hui. Non à l'esprit de défaite, oui au réveil, au sursaut républicain. Nos compatriotes sont des républicains, des femmes et des hommes de bonne volonté. La France s'est toujours tenue ainsi. Et donc, en faisant ce choix dimanche dernier, j'ai fait le choix de faire confiance, confiance dans nos compatriotes, dans leur amour de la République, de la clarté, du débat politique, plutôt que dans les combines et dans l'esprit de démission et de défaite. Parce que moi, je ne l'ai pas.